Bonjour à tous. Hello Nathalie, comment ça Salut va? Delphine, ça va bien et toi? Eh bien, ça va super bien. D'autant plus que ça va encore mieux depuis que je sais que tu vas nous faire pas encore un tour de France, mais que tu commences à sortir de ton cabinet. Et donc, on Ouais. vient vous parler de ça pour vous tenir un peu au courant parce que c'est, notez-le dans vos tablettes, hein. C'est pas tous les jours que elle s'exporte en remontant de Toulouse. Donc, Nathalie va s'arrêter chez moi à Paris. Donc, elle sera à Paris le 25. Laissez-moi vérifier. Oui, le 25. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une belle possibilité pour les personnes, en tout cas, qui sont dans le coin. C'est ça. Déjà de venir te rencontrer sur ça, pourquoi pas de tester non pas tes soins comme moi je l'ai fait longtemps comme j'étais en Argentine par Zoom et j'étais très très Ça. contente de les tester en présentiel parce C'est qu'il y a vrai. quand même on est quand même des êtres humains et c'est vrai que le Zoom enfin la visio ça a tendance à couper les barrières du monde je dirais mais on aime bien quand même moi j'aime bien quand même de temps en temps me reconnecter avec voilà avec les personnes avec qui je fais des soins parce que c'est hyper important en fait d'avoir ce contact. On est des Donc tactiles, nous, hein, aussi, hein. Donc, et voilà. c'est ça, on fait pas du massage pour rien. Ben non. Donc, voilà, on aime bien. Puis se faire masser, c'est différent de faire un soin. Même si moi, je peux voir un autre Complètement. chose dessus, ça reste un temps qui est incroyable. Voilà, il y a un 4 en 1, là, pour moi. Le massage, c'est un truc de ouf. Oui, ça reconnecte vraiment bien la personne à son corps et en même temps, toi, avec tes capacités justement de soins énergétiques et karmiques, ça duplique en fait C'est ça. le massage, qui pour moi, le massage reste toujours un soin, c'est un soin du corps, mais là, on peut faire vraiment un soin complet en termes énergiques. Et Donc voilà, donc en peu là, de c'est temps en plus, en c'est-à-dire peu de puisque temps, exactement. voilà, 1 heure et demie, ça semble pas beaucoup de temps, mais en fait, d'ailleurs, je peux voir plein de choses pendant ce temps-là, quoi. Donc tout ce qui doit être libéré ce jour-là peut être vu. Donc voilà, donc ça va vite en fait, finalement, quand on se rend compte. Les soins plutôt énergétiques parce que moi je travaille au sol. Donc par contre moi je peux vous faire des massages Voilà. énergétiques, ayurvédiques et énergétiques et Nathalie peut vous faire les soins karmiques. Donc on peut faire des combos, tout est possible. En tout Exact. cas n'hésitez pas. De la même manière vous pouvez mettre un message en bas ou vous pouvez aussi m'envoyer un message. Du coup comme ça je vais répertorier s'il y a des personnes qui sont intéressées. Voilà. Et du coup n'hésitez pas parce que voilà, c'est quand même moi je connais un petit peu Nathalie maintenant et qu'elle descende dans le sud, je trouve ça génial. Et j'ai quand même fait une partie de mes études à Toulouse, hein, donc je connais le chemin. Et en même temps, ça nous permet de vous rencontrer, de vous connaître et de passer un agréable moment d'échange, de partage, qui me semble aussi très important dans ces énergies qui bougent beaucoup. Il y a quand même beaucoup de, peut-être pas beaucoup d'entre vous, mais moi, autour de moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions C'est ça. sur ce qui se passe dans leur vie actuellement. Il y a beaucoup de transformations au niveau aussi du travail, beaucoup de pression, et il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu désorientés. Donc ça peut simplement aussi c'est l'exploration du soi, c'est aussi se reconnecter avec soi tout simplement Là, tout simplement. et libérer et voir s'il y a des blocages et du coup c'est une belle opportunité en tout cas. Tout ce qui peut arriver en ce moment au niveau des énergies, tous ces ressentis qu'on peut avoir et ces intuitions et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, donc il y aura ça. Je ne dirais pas en public ou en groupe, mais là, les choses vont en fait, ils vont se rendre compte très vite qu'ils ne sont pas seuls au monde à vivre ça. Et donc, ils vont se sentir en sécurité à pouvoir dire, voilà, à pouvoir dire, ben oui, moi, je vois des choses, j'entends des choses, je vis des trucs un peu, comment ça se fait, quoi? Enfin, voilà, est-ce que je suis fou? Voilà, on me dit ça souvent, hein. Donc, mais là, ben non, c'est juste que la limite entre le monde invisible et le monde visible est devenue assez fine avec ce taux vibratoire de la Terre qui augmente, et donc, voilà, c'est normal. Donc voilà, j'avais envie de rassurer un peu. Est-ce que Exactement. tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Ben non, mais en tout cas, que ce sera un plaisir de vous recevoir, qui que vous soyez. Venez comme vous êtes, comme on dit. Hein? C'est vraiment ça. Nous, après, on aime ça.
Ça se sent, je pense. On a fait ça depuis. Enfin voilà, je le fais régulièrement. Oui, je sors de ma grotte. J'ai envie. Le 25, elle sera à Paris. Donc, on prend vos réservations. Vous pouvez nous envoyer des messages privés, les noter en bas pour qu'on vous recontacte. Il n'y a vraiment aucun souci. On le fera avec grand plaisir. Et puis, ben, on vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Merci Delphine, à bientôt.